C'est quoi le clito? Est-ce que c'est un truc au fond du sexe des filles que doivent attraper les garçons pour jouir? Alors, doudou. D'après toi, elle a des poils sur le vagin? Moi, je crois qu'elle en a pas. Hein. Comme c'est ça, comment j'ai juste à pousser, à mon avis, elle peut pas encore en avoir. J'ouvrirai deux gros seins tout gonflés comme maman le plus vite possible. Je crois que les seins, c'était comme les couilles, ça allait par deux, quoi. Quoi? Bah, regarde-moi ça! Mais j'ai demandé les deux! C'est le vagin! Aïe, moi je peux pas avoir un sein plus petit que toi parce que moi en ce moment je suis amoureuse alors ça tombe vraiment mal. Bon, Roudoudou, t'arrête avec ces chats puis tu laisses ton dîner tranquille s'il te plaît. Putain, c'est crâne! Comment t'as fait ça? Avec des poils de chat de ma mère. Regarde, ce salon, on voit bien son clito, regarde, il est là. Tu le vois bien? Mais non, c'est en bas. Tu crois qu'on peut se branler maintenant? T'imagines, tu peux être père? Ouais, je peux surtout leur en foutre plein la bouche. Cher Roudoudou, sans vraiment te connaître, je peux t'affirmer que je t'aime car tu es très sensuel et tu dégages une chaleur folle. Ton cul et ta chatte me plaisent. J'aimerais te brouter, te faire des fils fucking. Ma bite est à toi, Romain. Ça va? Ouais, la fin est pas mal, surtout la fin. Le vagin ne s'ouvre franchement que sous l'action d'un agent mécanique. Doigts, pénis, instrument ou de l'anesthésie générale.